Allez, let's go pour la partie 3 de ce Donkey Kong Country si connu. Et donc je galère dessus comme un dingue. Et ouais. Bon, pour moi, entre la partie 2 et la partie 3, un jour a passé, je vous l'avais dit, que j'arrêterais. Et ce fut le cas. Et figurez-vous que j'ai pensé toute la journée à ce fameux niveau, à ce niveau si impossible. Que dire, je ne peux pas le définir par les mots. Tellement ces phases avec les tonneaux sont d'une extrême difficulté. Je pense que vous l'avez vu et vous avez dû le découvrir par vous-même si vous avez fini le jeu. Cette phase-là est interminable, bien que vers la fin je commençais à réussir. Mais il arrive un moment où tu te concentres tellement qu'il t'arrive de faire n'importe quoi. Ou alors tu stresses tellement parce que tu vois le panneau de fin que... qu'encore une fois, tu te loupes. Tu fais de la merde. Voilà, alors attention, je suis paré à appuyer sur Start pour recommencer, pour continuer ce fameux niveau, cette fameuse aventure-là. Allez, c'est parti. Merde, petit fail déjà. Ça commence bien. Ouh là là, ça commence bien. Allez. Donc là, on va y aller doucement. Enfin, on va tenter de pas faire les mêmes fails qu'hier. Il va falloir déjà que je me réhabitue un petit peu à la façon de jouer, gameplay, tout ça. À la vitesse du perso, putain. C'est bon. Et peut-être que... Non, je préfère pas m'avancer. Mais je vais le dire quand même. Peut-être qu'avec une pause, c'est ça qui va tout déterminer. Parce que je sais pas si vous avez remarqué dans les jeux, mais c'est souvent ça. Je veux dire, vous faites une pause. Ah bah non. Non, je n'ai rien dit. Open, yes. Voilà. Non. Bon, on va dire que... C'était le premier essai, voilà, c'était l'échauffement, hein, voilà. Donc c'est bon, vous êtes d'accord. Maintenant on va continuer et cette fois-ci, je vous propose le vrai try, hein, le réel essai, voilà. C'était que de la figuration. Voilà, bon. Maintenant on va continuer, voilà. On va bien se concentrer. Hop, parfait. Hop, mais c'est magnifique, hop. On y va. Ah, j'allais dire on y va tranquille et ben non. Je me rends compte à quel point je dois faire face à une difficulté qui me surpasse. Et à laquelle je risque de ne pas y arriver. Mais il faut que je le fasse. Merde! Oh non, je vais pas commencer à m'énerver. Non, pour le moment on rigole. Pour le moment on rigole, il faut en profiter. Parce que ça risque de pas durer. Eh oui. J'en tremble déjà. Non mais c'est vrai, attendez, rien que de penser à ce qui m'attend là. Au stress que ces tonneaux vont m'engendrer. Mais je peux pas. Pourtant hier, j'avais quand même pris une certaine habitude avec ces tonneaux là. Je commençais à bien tâter de la bête, bien à comprendre comment ça fonctionnait le mécanisme, à pas trop hésiter à y aller, un peu comme j'essaye de faire, mais sauf que je viens de me... Putain. Ça va. Allez. Non, ouais, il va falloir vraiment que je... que je me reconcentre, quoi, tout simplement, parce que, voilà, en un jour, on perd un petit peu, même si j'y ai pensé toute la journée. Non. C'est certain que hier, sur la fin, je me sentais, même si j'étais quand même frustré, énervé et tout ça, je me sentais quand même beaucoup plus à l'aise avec ces tonneaux-là. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'avantage d'être moins stressé pour le moment. Bon, je dis bien pour le moment.
Et donc il va falloir que je tente de garder cet avantage. Putain, mais non! Pour passer ce niveau. Putain, j'aurais dû aller à droite là. Ouais. Va falloir que je... j'y arrive. C'est bien ça, c'est bien pour le moment. C'est très très bien. Je crois que jusque là... Et merde, ça va parce que là encore je peux me gourer ici. Mais ce qui est chiant c'est que quand il est plutôt tourné vers le bas, enfin qu'il faut aller vers un tonneau qui est en bas. Comme maintenant par exemple. C'est bien. C'est bon. C'est bien. Oh non! Oh putain! Ah dommage. Dommage, j'étais pas mal, je me sentais bien concentré là. On allait arriver vers la fin assez tranquillement, mais... Oh. Mais attendez, mais c'est mal connaître Donkey Kong Country, enfin, Kishnifu, qu'est-ce que tu racontes? Tu croyais vraiment que du jour au lendemain, comme ça, en reprenant simplement le jeu et en te concentrant un petit peu, t'allais y arriver? Non mais... Oh, mais quelle connerie! Mais quel con ce Kishnifu, c'est pas possible. Il est marrant celui-là. Ah putain. Mais qu'est-ce que je croyais moi? Qu'est-ce que je croyais en reprenant aujourd'hui calmement? C'est vrai qu'il y a certains jeux où c'est possible ça. Ou putain. Non. Où c'est possible effectivement de. Bah, par exemple, on n'y arrive pas. Je pense à, par exemple à des jeux comme Super Meat Boy. Bah, vous y arrivez pas. Et ben, vous commencez à vous énerver et tout, et vous délaissez le jeu, pas forcément une journée entière, mais quelques minutes, je sais pas, moi, une demi-heure par exemple. Vous le reprenez, et tout de suite, vous êtes un peu plus concentré, et là, la concentration est un réel avantage, et le calme surtout. Et là, souvent, et ben vous y arrivez, et vous comprenez pas pourquoi, et c'est simplement parce que vous... Vous avez pris votre temps, vous étiez moins stressé, vous allez moins vite et donc vous faisiez moins de conneries. Malheureusement, ça ce n'est pas le cas de tous les jeux vidéo. Et notamment, je me rends compte que ce n'est pas le cas de celui-ci. Et que là, bah, je suis bien parti pour galérer encore de bons moments. Donc, là je crois que j'ai compris, hein. Ouh, je crois que j'ai compris ici. Oh là là, oh j'enchaîne, oh j'enchaîne. Oh j'enchaîne! Oh j'enchaîne! Non! Oh putain c'est chaud là. Oui! Non! Attendez! Attendez! Attends Donkey! Arrête! Putain non! J'ai réussi mais... Non, faut que je reste concentré. Je reste... Concentré. Arrête de faire le con Donkey. Putain il y a encore ce... Non mais regardez la plaque là! Enfin, je me baisse en arrivant. Je vais faire une syncope. Je vais mourir. Je suis en train de prendre une crise cardiaque. Je vais devenir fou. Bizarrement, ça me rappelle une vidéo que j'ai déjà faite. Ça s'appelait Give Up Robo 2. J'étais pas mal devenu dingue, mais là, c'est bien parti pour. Bon, alors, là, ce qu'il faut faire quand on était dans ma situation, c'est qu'il ne fallait pas prendre son temps. Du moins, il ne fallait pas faire son gentil et arriver sur la plaque. Merde, voilà. Arriver sur la plaque et attendre se baisser gentiment. Non, 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 non. En fait, il fallait aller vite. Et ouais. Parce que déjà, ça glisse. De deux, la plaque est trop petite. Enfin, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible de rester sur la plaque et de se baisser pour éviter l'abeille. Mais. Merde. Mais. Je pense que là, vu que l'abeille n'allait pas. Pas extra vite. Je pense qu'il était possible de faire un simple rebond.
attendez, faire un simple rebond et d'aller de l'autre côté. Et là, ça aurait été bon. Bon, là, j'ai compris pour ici. Là, j'ai une petite technique. Il fait un seul tour et c'est bon. Et je crois que c'est partout pareil, vous voyez? Attends, non. Là, par exemple, il fait un tour, j'y vais. 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 Il fait un tour, j'y vais pas. J'y vais. Là! Ohé! Mais c'est que j'y arrive, oh, c'est quoi ce bordel? Bon, je reste concentré jusqu'au bout. Je reste concentré jusqu'au bout. Oui! Non! Heureusement que j'ai donké. J'ai donké, j'ai donké. Donc était là. Donc était dans la place. Donc était dans la place. Donc était dans la place. Allez, dis-moi que c'est fini. Exit. Oh. Les amis, ça y est. Oh. On a fini. Oui. Oui. Attendez là, je pose la manette 2 secondes, d'accord, hein? On va se calmer un petit peu. Et je vais vous laisser apprécier un petit peu la musique là en attendant. Vous savez quoi? J'ai réussi. Mais c'était que le premier niveau de ce monde. Et j'ai bien peur qu'il y ait plein de petits trucs comme ça encore. Mais bon, à mon avis, je crois qu'il n'y aura jamais pire que les tonneaux. Hein. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça, là? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous souriez? Quoi? Il y a des trucs qui sont encore pires? Non, arrêtez! Je vous crois pas, c'est pas possible. Attendez, là, on vient de passer le niveau le plus dur du jeu, non? Hein? Non? Arrêtez, vous me faites peur, là. Bon, par contre, attendez. Au lieu de plaisanter toujours, là. Je remarque qu'en haut à gauche, il y a un tas de bananes. Et c'est ce qu'on m'a volé, non? Donc c'est-à-dire que ce serait le dernier monde? Et que le boss final se ferait sur le bateau qu'on voit... Ça veut dire que ça, c'est le dernier monde, alors? Waouh! Alors, si c'est le dernier monde, il va falloir que je m'attende à des trucs incroyables. Hein. Pour les petits niveaux, là. Ça risque d'être chaud. Allez, je me lance. Oh. Waouh! Alors je connais pas ce niveau. Là je vous dis tout de suite, je connais pas ce niveau. Ça brille de partout. C'est beau. J'ai envie de dire waouh. Et je dis waouh. Non, c'est vrai, c'est. Sincèrement, même en vidéo, je n'avais. Attends, viens là, toi, viens là. Je n'avais jamais vu ce niveau. Eh merde! Y'en a pas un autre là? Il repop normalement. Donc, messieurs. Les ennemis vous repopez tout de suite. Non, mais vous êtes con quoi, vous faites exprès? Vous repopez pas quand il faut et vous repopez quand il le faut pas. Oulala, oulala! Ah, ça glisse! Même sur la corde, ça glisse, dis donc. Attendez, mais Didi, je trouve qu'il saute un peu plus haut, donc peut-être. Peut-être qu'il va pouvoir l'atteindre, la corde. Attendez. Hop. Oh non, 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 absolument pas. Bon. Bon, on va rester avec Didi, hein. Ouais, alors, la musique et le niveau. Putain, oh, le niveau ne me dit vraiment rien du tout. Pour le moment, j'ai envie de dire, ça va. En tout cas, il y a un réel clivage. Putain, mais je vais pas y arriver. Alors, attendez, faut que je comprenne le coup des cordes, là, parce que... Ah ouais, on glisse tout seul. Et là? Ah, d'accord. C'est pas très réaliste, hein, mais voilà. On est dessus, puis il glisse tout seul. C'est pas moi qui monte, hein. C'est pas moi qui monte, ça monte tout seul. Ouais, c'est sûr qu'il y a un énorme... Ah là, par contre... Oh putain. Waouh, waouh, waouh. Et là, il... Ah, et je vois qu'elle est de couleurs différentes. Donc quand elle a des espèces de reflets violets, apparemment, on descendra. Et je suis sûr qu'il va falloir jouer... Mais merde. Jouer sur... Il va falloir... Putain, ils sont chiants, ces ennemis. Il va falloir jouer pas mal de ça. Vous voyez, là, par exemple, elle est verte. Je sais que là, elle va monter. Voilà. Va falloir pas mal jouer de ça et se mettre... Oh putain. Alors, j'ai dit qu'il y avait un clivage entre la difficulté de tout à l'heure et maintenant... Oh non! Oh non, 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 non. Oh non.
Oh, vous allez me haïr. Et vous aurez raison. J'ai oublié de sauvegarder. Je dois refaire le niveau. Non. Non, dites-moi que c'est pas possible. Bon, vous savez quoi? Pour vous éviter ce supplice, si j'y arrive pas, je couperai la vidéo et je la continuerai une autre fois. Enfin, je couperai le temps que je passe le niveau et... Non. Regardez où est-ce qu'on est. Regardez. Regardez. Oh non, c'est pas possible. J'ai oublié de sauvegarder, mais quel con! Là, je tombe comme une merde. Oh putain, vous devez me haïr. Non, 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 non. Non, attendez, non. Vous savez quoi? On va pas commencer à... Hein? Oh! On l'a passé une fois! Alors on le repassera. Ok? Et là, on va le passer du premier coup. Ok? Ah bah c'est pas en faisant ça que je le passerai du premier coup, hein? Bravo! Bon alors, on le passera du deuxième coup, ok? Oh mais la sauvegarde, mais c'était le truc à pas oublier. Mais non! Bon non non non, mais là faut pas que je perde ma concentration. Là faut vraiment que j'y aille. Concentré. Que j'ai le même feeling que tout à l'heure. Et ça passera tout seul. Ça c'est bon. Hop. Hop. Voilà. Non! C'est bon. Ah putain, du coup j'ai plus le même timing là. Eh ouais, eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Faut pas que je me loupe une fois. Parce que sinon après le timing des tonneaux il change et c'est pas bon. En fait, il y a un certain timing. Je veux dire, il faut le laisser tourner une fois à partir d'un certain moment et y aller après. Et dès lors que vous avez plus ce timing là. Eh merde, putain, mais je fais n'importe quoi. Et dès lors que vous avez plus ce timing là, vous êtes perdu et là ça se corse encore plus en fait. Si vous voulez corser la chose, il faut perturber ces espèces de rythmes, ces espèces de... Je sais pas, de... J'ai pas envie de dire script, mais... Oh non, mais pourquoi ça me fait ça? Non. Déjà, mais rien que le fait de devoir refaire ce niveau de fou, non mais... Attendez, non, je l'ai passé ce niveau... Oh non. Putain, alors là, si je me mets à bloquer dessus. Oh, et n'oubliez pas de m'insulter dans les commentaires, hein, je le mérite. Putain. Ah, mais c'est vrai, là. J'aurais que ce que je mérite. Oh. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis aussi con? C'est pas possible, hein, putain. On n'est pas tous comme moi. Hein. Heureusement. Hein. Parce que putain. Ah là, j'ai perturbé le rythme, c'est fini. Si, quoique là. Non! Non, mais je. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Et là, c'est pareil. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais qui je n'y fous? Mais pourquoi t'as fait le con? Pourquoi t'es con, putain? Pourquoi t'as pas sauvegardé? Oh! Et en plus, il a fallu que tu sauvegardes pas pour ce niveau-là, quoi. Ce niveau qui est le plus horrible. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as branlé? Putain, mais merde, quoi. Mais merde! Je continue à faire n'importe quoi. Je me dégoûte! C'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Il est où le rythme là? T'es pas en rythme, abeille. Mais putain, je fais n'importe quoi.
Là, faut pas que j'aille maintenant. Ça m'a porté préjudice tout à l'heure. Là! C'est bon. J'ai repris le rythme. Yes! Yes! Bon, jusque-là, j'arrive là beaucoup plus facilement maintenant. Allez. Dégage. Oh, oh des bananes. Viens là, toi. C'est bon, on a réussi, les gars. On a réussi. Non, non, non. Je n'oublierai pas. Save. Yes. C'est bon, on l'a fini, ce niveau de merde. Enfin. Là, c'est bon. Là, je peux dire que ça y est, c'est fini. Bon, maintenant, on va en profiter pour tenter de sautiller sur ces monstres-là et d'atteindre... Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer, du coup? Là, je parie qu'un passage. Oui, je suis trop big boss. Ah, je commence à m'y faire, là. Alors, attendez. Ah ouais, donc là, je choisis, c'est ça? Ah, mais non, c'est facile. Là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fallait que j'aie la banane avant? Mais, attendez. Qu'est-ce qu'il fallait qu'est-ce qu'il fallait comprendre, là? Hein? J'ai pas tout pigé, là. Bon, c'est pas grave. Non, je pense qu'en fait, il y avait une banane et les quatre lettres. Et qu'en fait, il fallait d'abord... Putain, mais non, mais roule, quoi. Mais... Pff, je fais n'importe quoi. En plus, c'est des ennemis, c'est... Enfin, je sais pas, ils ont rien de compliqué. Enfin si, justement, c'est des gros fourbes, quoi. En fait, ils ont pas l'air compliqués. Mais en fait, ils le sont. Bon, on va y retourner, et je pense qu'en fait, il fallait d'abord avoir la banane. Et après, seulement après, les lettres. À moins qu'il y en ait un qui clignote plus que l'autre, ou je sais pas. Bon, bah écoutez, on va avoir la banane, alors. Merde! Ah, j'ai sauté trop tard. Putain, mais alors là, je fais le noob. Putain, mais depuis le début, cette vidéo, c'est noob... c'est noobland, là. Je fais que des conneries. Alors, toi, putain, mais... Bon, je dégage, parce que, voilà, tu me saoules. Si je vais quand même avoir le cas, je peux l'avoir facilement. Enfin, façon de parler, apparemment. Voilà, c'est bon. Là, j'ai vu qu'on pouvait aller là. Ah oui, encore un passage, non? Ah non, c'est pour détruire ça. Ok. Ou pas, hein, c'est peut-être pour éviter de se faire chier avec lui. Allez, bah écoute, descends et je te fais la roulade. Allez, viens. Hop là, tu veux jouer roulade contre roulade? Eh bah t'as perdu, tiens. Putain, oh, ça a ramé là. Allez, bon là, on va pas refaire... Ah merde, j'ai dit on va pas refaire le con et moi je le refais, quoi. Putain, alors là, comment je fais? Attendez. Oh, c'est dangereux, là. Waouh. Allez, viens là, mon petit Didi. Putain. Ah, d'accord. Ok. Oh, je sens que là, s'il pousse le vis jusqu'au bout, ça risque d'être... ça risque d'être tout simplement horrible. Et là, je fais quoi? Il y a quoi, ici? Ah, d'accord, il y a un trou. Ah ouais, là, ça nous ferait tomber tout en bas, je parie. Donc là, il faut bien viser l'oiseau, là. Ah mais non! Ah mais non, en fait c'est juste pour avoir la banane! Ah, c'est bon, d'accord! J'ai cru qu'en fait... Mais putain, mais il est chiant ce monstre de merde, là! Ah, j'ai cru que j'allais retomber tout en bas! Waouh, 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 waouh! Putain! Ce serait bien que j'arrive au checkpoint, comme ça je sauvegarderai, mais j'ai bien peur d'en être encore un petit peu loin, là. Alors ça, c'est une truc qui descend. Bim, on passe... On passe tout de suite, on passe tout de suite, voilà. Oh, checkpoint. Save. Là, je pense que pour chaque niveau maintenant, le point de sauvegarde, ça va être une bouffée d'air frais. Une bouffée d'air pur. Une bouffée de tout ce que vous voulez. Ok, t'es là, parfait. Parfait. Et là, comment on l'atteint? Est-ce qu'il y a un moyen d'aller plus haut avec ça? Je sais pas, est-ce qu'en appuyant sur le saut? Non, ou alors, ah, voilà, d'accord.
Voilà, parfait. Et le haut était là. D'accord, c'est-à-dire qu'on en est à peu près à la moitié. Donc, continuons comme ça. Toujours tenter de toujours être aussi... Oh putain! De tenter d'être toujours aussi concentré. De bien visualiser la couleur de chacune des cordes. Donc de pas se planter. D'anticiper le fait qu'il y a des abeilles au-dessus. Parce que quand on saute sur une corde, à partir d'une corde comme ça, il va un peu plus en haut. Donc on l'atteint facilement. Alors là, il va falloir que j'anticipe. Là, je pense que je peux y aller maintenant. J'y vais pile au moment où il faut pas quand même. Hein. D'ailleurs, je sais même pas si c'est là qu'il faut passer parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs chemins. Oh putain, elle bouge celle-là. Waouh. Putain, et... Oh, la sortie déjà? Attendez. Oh là là. Oh d'accord, faut monter comme ça. Waouh, c'est quoi ce truc de fou? Waouh. Et là, ah d'accord, on peut monter. Est-ce qu'on peut monter que... Ah non, là, si on veut la voir. Oh putain, c'est... Ah, c'est marrant. C'est marrant. Et là, c'est la fin. Oulala. Bon, j'ai préféré pas voir ce qu'il y avait là-haut. Eh ben écoutez, on passe au niveau suivant. En sauvegardant, bien évidemment. Save, yes. Allez, let's go, on est bien parti là, on est bien parti. Ça a commencé un petit peu sur du fail, mais là... Alors toi, bim, in your face. On va attendre d'avoir un autre ennemi, comme ça on lui balancera à la gueule. Mais s'il n'y a pas d'ennemi, on va pas pouvoir lui... C'est bien, merci Didi, tu m'as sauvé d'une mort certaine. Allez, on continue. Et attendez, je rêve ou on est encore dans la neige là? Ah oui, en même temps... Kishnifou, c'est le monde de la neige. Oui, je sais, mais là, on en était un petit peu sortis et ça m'avait pas déplu, tu vois. Parce que là, ça veut dire qui dit neige, dit que ça glisse. Alice, ça glisse au pays des vermeils. Et forcément... Ah tiens, les tonneaux, ils les foutent ici. Ah tiens, j'en ai trois. Je crois que c'est un niveau bonus, c'est ça? Ouais, il me semble que c'est un niveau bonus pour avoir des bananes et tout. Ah non, c'est pas des bananes. Ah si, c'est des trucs après qui vont nous permettre... Ah ouais, d'avoir des vies. Oh mais ça va me servir à donf. Ça va me servir à donf, ça. Ouais, parce que je me souviens de ça. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va aller de l'autre côté, parce qu'il y en aura un peu plus. Enfin, j'aurai moins de probabilité d'en perdre. Pas mal la musique, c'est marrant. Il y a une petite stratégie pour aller de l'autre côté. On va aller comme ça. Ouais, je sais pas si c'était une bonne stratégie, mais c'est pas grave. On en a pas mal, là, hein. On en a pas mal, et on a dépassé les 300. Je pense qu'à chaque 100, on doit avoir une vie. Donc le but, là, ce qui serait bien, c'est qu'avant la fin du temps, j'en ai 400. Je pense que je les aurai. Voilà, je les ai eus. Je pense que j'aurai... Attention. Ouais. Ouais, si, c'était ça. C'était ça. D'accord. 5 vies, et ben ça fait du bien au compteur, vous savez quoi. Donc, bah j'atteins le... J'ai pas le droit de... Putain, non. Dites-moi que je recommence d'ici. Je recommence d'où? Du début du niveau? Ah ouais, eh merde. Non, c'est le jeu, hein. Je dois pas sauvegarder, je voulais sauvegarder, mais non. Je sauvegarde seulement au checkpoint. Merde. Là, si, c'est bon. En fait, il sert à rien, celui d'en bas. Il sert juste à faire peur, quoi. D'accord, la corde. Faut pas que je la loupe. Voilà. Hop. Et on va retourner. Eh. Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Ah oui, d'accord. C'est là où j'avais chopé le dernier. Mais là, bien évidemment, ça va être seulement mon premier. Donc là, on recommence avec les tonneaux. Du coup, je suis bien entraîné pour ça, normalement. Oh, bien, yes. Oh, ça, c'est bien. Je pense que ça peut beaucoup m'aider. Ouais, apparemment. Oh putain. Vous savez quoi, je vais planer, je vais faire n'importe quoi, mais merde, j'aurais dû en profiter pour planer justement. Eh mais attendez, je peux pas prendre les cordes avec ça. Eh mais je crois que je comprendrai jamais ces trucs-là. J'aurais dû essayer, putain, je suis trop bête. J'aurais dû essayer de prendre les cordes.
Ah merde, merde, merde. Ah si, certes, si on se loupe. Le petit idée là, c'est. C'est si tu te loupes, attention, je te lancerai une. Je te lancerai une pierre, je suis là. Ah, j'ai une vie. C'est bien. C'est toujours bon à avoir. Et j'aimerais bien arriver au point de sauvegarde. Histoire d'être tranquille. Bon là par contre, je la prends pas l'autruche. Hein. Je préfère faire le niveau à la loyale. Parce que j'ai du mal à. Eh! Eh mais je pourrais tricher, vous savez quoi, presque. Parce que là, je viens de voir que j'ai eu un autre symbole d'autruche. Il suffit que je reperde, que j'y retourne, et c'est bon. Et là, je peux accumuler des vies à fond. Mais bon, non, non, je vais pas faire ça. Ah, mais non, je... Ah, c'est bon, il l'a pas pris. Tant mieux. Je pensais qu'en retombant dessus, il allait la prendre automatiquement, mais non. Donc ça, c'est bien géré, encore une fois. Bravo Donkey Kong Country. Bravo Rareware. Donc là, on va la jouer à la loyale. Bien! Parfait pour le moment. On va attendre qu'elle revienne. Là, c'est bon. Ok. On y va. Ok. On y va. Ok. On y go. C'est parfait. Je tente pas. Eh merde. Je tente pas de récupérer la deuxième lettre. Là, ça doit être bon. Ok. Bim, checkpoint. Ça veut dire sauvegarde. Attendez. D'abord, je réatterris bien. Voilà. Donc ça c'est bien, ça c'est très 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 bien. Save. Yes. Go. Tiens, était là. Parfait. Parfait. Mais attendons, attention, parce que souvent quand on récupère un personnage, c'est souvent parce que on atteint des endroits difficiles pour avoir une seconde chance, quoi. Attendez, là, la corde. Donc je peux y aller maintenant. Voilà, c'est parfait. Le pneu. Le pneu en plein milieu. Va falloir gérer. Avec le rebond, maintenant. Oh, ça semblait pas bien compliqué, je pense. En tout cas, pour le moment, je n'ai encore rien vu. Oh putain, merde. D'aussi dur que la phase de tout à l'heure avec les tonneaux. Du niveau avec les tonneaux. Merde, j'aurais peut-être dû le suivre, ça m'aurait peut-être servi. Ok, donc là, je raterris dessus pour le moment, pas de problème. Il y en a tous les étages. Hein. Oh oui, il est là! Ça c'est bien, ça c'est bien. C'est bien Didi, reviens. Merci mon petit Didi. Oh putain non! Vite que je me grouille pendant que je suis en... Voilà. Je sais, c'est un petit peu... Oh non! C'est pas grave. C'est pas grave. Open. Yes. Allez, go. Ouais, je disais, c'est un petit peu de la facilité de servir du clignotement après s'être fait toucher pour passer les phases difficiles. Mais écoutez, hein, le jeu l'a implémenté, c'est pour s'en servir, hein. Hop, là, je peux y aller. Bon, ça, il n'y a rien de bien compliqué. Peut-être le plus compliqué, c'est de. Ce serait de rester sur le pneu, mais ça va, je trouve pas ça encore trop compliqué. Ça, on va s'en servir pour le faire rouler et avoir. Ouais, je pense que je les ai pas tous eus. Bon, c'est pas grave. On fait du pif. C'est comme ça que ça marche. Alors là, on va esquiver. Ah, oh, non, mais ça, c'est pas possible. J'y irais presque, c'est pas possible. Là, on y va maintenant. Ok, on rebondit, parfait. On a le G, c'est-à-dire que la fin n'est pas loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a semblé. Non mais comment je fais là? Je suis obligé d'avoir Didi? Oh! Oh j'aurais dû faire. Eh ouais! Là j'aurais dû faire la roulade. Ah ouais, j'aurais dû faire la roulade. Bon. Par contre si j'ai Didi, si, je peux tenter de faire la roulade. Au moins quand on a deux personnages on a l'autorisation en fait de se faire toucher donc le mieux c'est que j'arrive vers la fin tout en ayant les deux personnages ce serait le parfait mais ce n'est pas forcément évident voilà on y va au pif hop là et là putain mais là c'est chaud ici. Putain, hey. C'est bon. C'est bon. Ok. La corde. Maintenant. Ok. On rebondit. Ok. Le G. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Attention. Ah non, voilà, j'ai fait le con là. Allez, saute-lui dessus, c'est parfait. Dites-moi pas qu'il y en a encore un en haut, sinon je crie. Putain, le fourbe.
Exit. C'est terminé. Un autre niveau de terminé. Ah, c'est bien. Bon, j'ai pas trop regardé l'heure à laquelle j'ai commencé, mais je pense qu'on doit en être pas loin des 35 minutes. Voilà. On sauvegarde. Ah, pour le moment, je suis content. Là, c'est vraiment des bons niveaux. Une difficulté très bien gérée. Oh, c'est que du bon. C'est que du bon, ce Donkey Kong. Et je regrette. Je regrette de ne pas l'avoir fini plus tôt que ça. Parce que, waouh, ces ressources qu'il a. Ah, c'est du bon. Hein. Et vous vous rendez compte? Ah, niveau avec l'eau. vous rendez compte, il est sorti en 94 quand même. Et j'arrive à encore prendre mon pied comme un dingue. Avec ce jeu-là. Sur un jeu comme ça, le trouver aussi bon. C'est incroyable hein, quand même. Ce qu'ils sont parvenus à faire quand même. Rareware, là, c'est... Est-ce que du bon? Bon, apparemment, là, on va être souvent poursuivi. Donc, il faut que je fasse gaffe. Que j'aille le plus vite possible. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Quand est-ce que c'est fini? Là, c'est bon. Waouh. Ah, c'est chaud, ça. Ah, c'est chaud. C'est très bonne idée, encore une fois. Mais c'est chaud. Attention. Concentration. Allez, allez. Monte, 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 monte. Continue. Allez. C'est bien, mon petit donkey. C'est bien. Tu vas vite. Là, elle me poursuit longtemps, hein. Ah merde, elle va venir là-haut. C'est bon. Allez, on lâche pas la pression. Putain, des tonneaux dans l'eau. Ça, c'est pas mal, ça. Mais je pense que... Merde. Je pense que j'aurais pu... Si j'avais continué à nager. Allez, mon petit Didi, maintenant, c'est à toi de faire tes preuves. Oh, putain, comme elle monte vite. Waouh. Ah, mais attendez. Je crois que là... Qu'est-ce que je fais, là? Je reprends... Je reprends... J'ai pas assez de vie. Oh. Non, je reprends mon ancien. J'ai pas envie de perdre des vies. Non, 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 non. Là, je crois que... Attendez, est-ce qu'on va plus vite quand on appuie sur la touche de... Ah non, pas forcément. Donc, en fait, ce qu'il fallait faire, c'est carrément bourriner la touche de nage. C'est ça qu'il fallait faire. Ouais, 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 ouais. Donc maintenant, ça va être plus simple. Vous allez voir, là je vais les devancer. Regardez ça. Regardez ça là. Non, pour le moment. Ah merde, 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 merde. Oh putain. Et ouais, je me sens pousser des ailes et forcément, à force de voler trop haut, bah je me brûle avec le soleil. Putain, mais c'est qu'en fait ils arrivent bien à me suivre. Hein. Pourtant je bourrine le truc. Ok, t'es là mon petit donkey, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on va lui mettre sa race, là. On va la devancer. Allez, allez, allez. C'est bien. Allez, on continue. On relâche pas le rythme. Allez, allez. C'est bien. Bon, par contre, maintenant, avec les tonneaux, je vais tenter de nager. Voilà, là, je nage. Ça fait rien. Ah, bah, ça fait rien. D'accord. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'on va faire une sorte de boucle. Eh bah, si, c'est ça. On va faire une boucle, là, à droite. Et on va revenir à l'endroit des tonneaux. Non. Putain, là, comme elle bille. Putain! Oh, c'est des trucs de fou. Mais c'est vachement bon. Encore une fois, c'est... Je sais, j'arrête pas d'idolâtrer ce jeu, mais en même temps... Comment vous voulez que je fasse autrement? Hein? Je prends mon pied! J'y peux rien de prendre mon pied! Merde, j'aurais pas dû aller... Ah, on a droit à une petite pause, c'est bien. Oh putain! Oh, mais t'es obligé de te faire avoir, là! Wow. Bon, pas droit à l'erreur, là, du coup. Merde, il va aller là-haut. Non? Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Eh, mais il y a plusieurs passages. Je comprends pas tout. Il a une petite vie, s'il te plaît? Non. Ouais, je comprends pas. Des fois, il y a plusieurs passages. Est-ce que c'est peut-être pour des lettres? Pour des... Putain! Des lettres pour des vies, je sais pas. Certainement. Oh putain, si lui me poursuit. Oh non. Oh non. 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 S'il te plaît, ne m'atteins pas. Je suis un Donkey Kong sans défense. Oh non! Donkey... Non! Didi, il était là. Oh mon pauvre Didi, tu es resté tout seul. Bon, bah, c'est pas grave. Open state, yes. Allez, go. On va leur mettre la race à ces calamars, là.
Allez, viens là, je t'attends. C'est bon, et là, il va falloir que je lui devance. Ah, on bourrine. Et c'est bon, ça passe. Ça passe finalement. Je pensais que ça passait pas, mais en fait si. Allez, viens là, toi. Oh putain, mais non. D'accord, mais attendez, je vais en profiter pour regarder ce qu'il y a en fait. Ah, un crapaud. Ok. Et bon, là, j'ai plus Didi, ça fait chier. Ouais, et là, ça change quoi que je passe ici? Ah si, pour les bananes peut-être, ouais. D'accord, donc là, je gagne une vie. Oh, ça me sert pas à grand-chose parce que de toute manière, si je perds... Enfin, si je perds, ça change rien. Mais si je gagne, j'arrive à... Ah, à la fin du... Putain, il fera à chaque fois peur, celui-là. Hein. À la fin du niveau... Putain, il y a lui aussi. Si j'arrive à la fin du niveau sans trop de... sans perdre... Ça me servira à quelque chose d'avoir récupéré cette vie. Alors là, il y a des requins. Bim. Là, on a Didi. C'est bon. Allez, là, on bourrine. On bourrine. C'est pas fini. C'est pas fini. Il nous poursuit. Allez, Didi. Suis derrière. Suis. Là, c'est bon, là. Alors, on en est au N. Ok. Donc là, on se calme un peu. Allez, il nous poursuit. Donc non, on se calme pas, là. Allez, 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 allez. On relâche pas la pression. Putain, il nous poursuit encore. Et c'est reparti avec un autre. Là, ils enchaînent. Je peux vous dire que là, ils se relâchent pas, hein. Ils enchaînent, les fourbes. Et c'est reparti, ils enchaînent encore. Ouh, faut pas lâcher la pression. Merde. Eh, merde, et ouais, voilà. Là, j'ai pas pris mon virage comme il fallait. Et là, c'est la fin. Et ouais. Je suppose que là-haut, il devait y avoir la lettre G, mais j'ai pas envie d'y aller. Là, il y a des espèces de petits trucs de merde qui... essayer de nous faire peur, mais ça marche. Ah non, elle est là. D'accord. Mais ça marche pas avec moi. Et voilà comment on termine un niveau. Attendez, mais oh. Prenez pour qui, là? Par contre, là, j'ai... Ah, d'accord, il se fait en deux parties. Comme si une partie, c'était pas assez, quoi. Hein? Merci, merci. Bon, ouais, ben, j'allais dire que ça allait être une phase sur des rails. Mais apparemment, non, pas tout de suite, mais certainement plus tard. Alors là, faut pas que j'oublie. Save. Mais là, je crois que ils vont tout nous remettre, quoi. Là, les rails, ils vont nous les remettre, mais déjà que c'était dur la première fois, je sens que là, on va y passer je sais pas combien de temps. Ah, bah ça va, c'est pas un niveau, c'est que lui. Come on over, be talking to myself. In jungle. Je sais pas ce que c'est. Stick to the three tops to earn extra lives. Creature is the frugest. Kremlin. Only a barrel will knock him out. Et knock, on ne prononce pas le K. There's nothing more I can tell you. Ok, donc en fait, toi, tu sers à rien, j'ai l'impression, quand même. Ou pas, je dois me tromper. Vous me le direz. Alors, oulalalalalala. Alors là, ce n'est pas la vidéo qui a un problème, ce n'est pas votre écran. C'est bel et bien le fait que... Oh putain. Oh, regardez. Oh, ça, c'est énorme. Quand on se tourne... On a la lumière, un plein flash là. Et ben ça, je suis sûr. Je suis certain que ça va nous faire chier. Parce que justement, vous voyez à quel point c'est... Merde. Bah bravo. Bravo. Bon, open. Ouais, je sens que ça va nous faire chier parce que... Parce que dès que ça deviendra un petit peu délicat, qu'on commencera à faire des petits droite-gauche, on va... Et ben... Ça va nous éblouir. Putain, là, vous voyez, j'ai eu l'impression de me faire toucher. C'est parce que ça nous éblouit. Putain, mais non, mais je fais n'importe quoi. Là, je voulais pas aller vite. Et pourtant, là, je meurs pour vraiment de la merde. Hein. Allez, allez, Kishnifu, on se reconcentre. T'as pas fini le jeu encore. D'ailleurs, en parlant de fin, je sais même pas quand est-ce qu'il se finit, ce jeu. Je sais pas du tout quand... Je sais pas combien de monde il reste. Oh, bah tiens, bah d'accord, l'autre, il s'est suicidé. Bon, bah tiens, bah je ferai ça maintenant. Allez, tiens, dégage, toi. Ah d'accord. Maintenant. Parfait. T'as ouais, ça m'éblouit. Hein. Par contre, le feu, je sais pas s'il me fait du mal quand je vais dessus. J'ai pas l'impression. Mais bon, dans le doute, j'ai pas envie de tester. Est-ce qu'il revient le méchant pas beau là? Non, il revient pas. Bon, ça va. Bon. Jusque-là, on va dire. C'est pas mal, mais vous connaissez, vous commencez à avoir l'habitude depuis le début. Ah tiens, le checkpoint déjà, waouh. Hop,
On sauvegarde. Parfait. Ouais, vous commencez à avoir l'habitude. Dès qu'ils ont des idées, dans un niveau, ils les exploitent à fond. Et je peux vous dire que je crois qu'on n'a pas fini de galérer, là. Oh putain, ça va me poursuivre. Alors ça, c'est... Non, même pas. Ah bah non, ah! C'est parce que tout à l'heure, ça me faisait pas de mal, les espèces de tonneaux enflammés, alors que là, ça, j'ai pas intérêt à... Et oui, et surtout que ces personnes-là, enfin, ces monstres-là qu'on a vus, et quand on leur saute dessus... Mais c'est déjà la fin? Waouh. Quand on leur saute dessus... Oui, oui, calme-toi, donc. Je suis en train de parler. Quand on leur saute dessus, ils nous propulsent un petit peu sur le côté. Et du coup, ça ferait que, ben, si on touche, eh ben là, on perdrait. Mais attendez, j'ai vu le panneau de fin, et là, on en est qu'au N. Donc, je sais pas, apparemment, non, il y a un panneau, des fois, qui nous montre la direction, sans forcément que ça veut dire que ce soit la fin. Bon, ok. Parce que là, j'étais en train de me dire que c'était un petit peu facile pour le moment. Ça va, là, bon. Ah ouais! Mais c'est fini, réellement? Bah là, je suis désolé, il y a vraiment pas eu de difficulté, hein. Bon, bah c'est parti alors. Oui, oui, je n'oublierai pas de sauvegarder d'ailleurs. Je sauvegarderai. Bah attendez, pas tout de suite. Je veux voir. 30%. Donc est-ce que c'est les vrais ou pas? Parce que là, ça voudrait dire que j'en suis qu'à 30% du jeu. Alors que j'ai l'impression d'être bientôt à la fin, mais bon. Je sais pas. Alors, peut-être que dans les pourcentages, ils comptabilisent toutes les pièces secrètes, par exemple, si on les a trouvées, si on les a réussites. Je sais pas ce qu'ils pourraient. Je sais pas, moi, les mots Kong, mais alors que... Enfin, les lettres Kong, alors qu'elles servent juste à avoir une vie, est-ce que ça... Je sais pas. Parce que là, être seulement à 30%, ça me paraît bizarre. Enfin, bon. Là, ça va être... Ah non. Ah non, c'est pas des rails! C'est lui! Oh, tu sais, Funky, tu m'as fait peur, Funky Kong. J'ai vraiment cru que ça, c'était un emblème des rails. Eh, mais du coup, on a eu la fille, on a eu le vieux... Et on a eu le Funky, là. Donc, en fait, finalement, là, il nous reste qu'un seul... C'est peut-être le monstre? Ah non, le monstre, ça doit être vers les bananes. Ah, mais attendez. Je voudrais me poser une question. Les bananes. Je crois qu'il y en a eu à chaque fois, à chaque monde. Parce que je crois qu'à chaque fois qu'on a battu des monstres, derrière, il y avait des bananes. Chaque monstre renferme beaucoup de bananes. Et ouais, ça doit être ça. Alors là, peut-être que je suis en train de dire une grosse connerie. Mais je pense que ça doit être ça. Bon, mine de rien, on s'approche de l'heure. Ah, tiens, on retrouve un petit peu le même niveau, sauf avec une couleur différente. Toujours très agréable. Et là, je sens qu'ils vont pousser le vis encore plus loin. Par contre, s'il vous plaît, ne poussez pas le vis des tonneaux dans la neige plus loin que ça, hein? S'il vous plaît! Non, ouais, là, je remarque qu'on s'approche de l'heure, hein, mais bon, l'autre vidéo, je l'ai fait durer 1h20, à peu près. Donc, eh ben... Oh putain. Donc, je peux dépasser l'heure. Voilà. Alors là, par contre... ouais, je sais ce que je vais faire. Là, je rebondis, je lui passe par-dessus. Ça, c'est bien joué. C'est bon, pour le moment, je suis calme, tout va très bien. C'est vrai que... L'autre niveau dans la neige, là, c'était vraiment le plus horrible. Mais là, ça reste compliqué, mais ça reste largement faisable, beaucoup moins stressant. Après, je connais pas encore ce niveau, putain, non! Je fais le con, je vais trop vite, je veux aller trop vite. Je connais pas encore le niveau dans son intégralité, mais... Allez hop, on sauvegarde, c'est parfait. Ah, mais j'aime bien, c'est toujours aussi agréable. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, oh. On sait qu'il est bien le jeu, merde. Bon, on tente de l'avoir, vu qu'on a sauvegardé il y a pas longtemps. Allez, on tente. D'accord. Ouais! Vous voyez un petit peu? On est dans le vide et on peut sauter quand même. Quand on fait la roulade. Ça, c'est un aspect qui est assez marrant. Tiens, bah, on va en profiter pour prendre les bananes. On va pas se priver. Par contre, je vais redescendre à cet endroit-là parce que je suis sûr qu'il peut nous avoir mis un truc de fourbe. Non, bah non, même pas. C'est moi qui me fais des idées. Oh, je me fais des idées sur vous, Rareware. Oh, pas gentil de ma part. Merde. On va essayer d'avoir les bananes. Non, bah non. Non. J'ai pas envie de tenter, en fait, finalement. Bon, on en est déjà au N. Alors là, ça va être difficile de rester dessus. Effectivement, c'était difficile de rester dessus. Open. Allez.
Go! Bon, pas de grandes difficultés. Hop. Bon, je tente pas de l'avoir, c'est pas grave. Là, on va reprendre les bananes. Parce que je vois que dans peu de temps, j'aurai une vie. Là, on peut tenter de tomber. Ok. Ok. Toi, t'es mort. Voilà. Les bananes. Je vais... Parce que... Ah non, j'ai pas encore 100. J'y suis presque. Alors là, en fait, je crois qu'il faut privilégier les grands sauts plutôt, hein, plutôt que les petits sauts. Voilà, comme ça, on a le temps de ratterrir, on sait où on est. Bon, ok, c'est bon. Alors là, maintenant, qu'est-ce qui m'attend? Oh, je vois une abeille. Je vois... Oh, putain, alors là, ça va être dur. Oui! Oh là 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 là. Hop là, hop là, hop là. J'y arrive, hein? J'y suis arrivé! Et là, c'est la fin! C'est bien. Ah bah oui! Bah oui, parce qu'il y avait la dernière lettre, il me semble. Et là. Ouais. Je suis sûr que là, c'est pas un simple travelling, hein. Je suis sûr qu'il m'attend des trucs, là. Non? Eh oui! Oh! Salle secrète! Eh oui, mais quand je vais ratterrir? Mais là, je fais quoi? Je choisis quoi? N'importe? Ah non, d'accord! C'est après l'espadon. C'est bon, yes! Ah, mais bon, ouais, si, j'en ai deux, si, ça va. Par contre, là, je vais ratterrir où? Attendez, s'ils me remettent sur le pneu, là, je suis pas d'accord, je vais gueuler, là. Ils me remettent avant ou après? Ah non, 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 c'est après, ça. Ah oui, c'est après! Oh putain, mais regardez-moi ça, c'est horrible. Ça me fait penser au tonneau, là, c'est pas possible. Encore, j'ai passé facilement tout à l'heure. Mais là, ça va être une autre paire de manches. Attention! Putain! Allez, Didi! Oui! Oui, 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 c'est la fin. Oh, j'ai eu de la chance. Franchement, heureusement que j'avais un deuxième personnage. Ouais, 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 ouais. Bon, allez, je sauvegarde. On fait le monstre. Et comme ça, j'aurais eu ce que je voulais, un monde dans une vidéo. Save, attendez, save, ouais, save. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va battre le monstre, si on y arrive. Et je vais voir où est-ce qu'on est après. Si on est sur le bateau, je pense que je continuerai, si c'est pas trop tard. Parce que là, il faudrait que je songe à arrêter bientôt. Et s'il reste encore tout un monde, j'arrêterai. Et on continuera dans une prochaine vidéo que je ferai tout de suite après. Parce que là, je suis chaud, je suis paré. Allez! On constitue. Alors, qu'est-ce que ça va être ce monstre? Oh putain! Ne me dites pas qu'on va s'enchaîner tous les monstres! Ah non, 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 d'accord! C'est qu'il a un nouveau mouvement. D'accord. Ok. Ok. Donc là, je ne touchais pas, bien évidemment. Hein. C'est juste qu'au moins, on se repoussait juste. Faut bien lui sauter dessus. Ah non, c'est que... Oh putain! C'est bon, il est mort. Et j'ai eu de la chance, hein. Mais attendez, si on a le castor, ça veut dire qu'en fait, ils vont nous remettre tous les monstres avec des difficultés en plus? C'est-à-dire que c'est loin d'être fini, alors. Attendez, à part ce monde-là, Crème Broc, Crème Croc, Industries. Donc, c'est-à-dire que c'est le dernier niveau, ça. Et ouais, parce que là, c'est-à-dire qu'on est dans le QG des Kremlins. Et ouais. Et ouais, c'est bien possible. Et après, par contre, je sais que le fight final se fait sur le bateau. Enfin, d'après mes souvenirs. Que j'ai vu en vidéo. Parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai jamais fini. Hein. Je vous mens pas. Mais ouais, ouais, d'accord. Donc, attendez, on va rentrer là-dedans. On va sauvegarder. Oh putain, ouais, ça sent bien le dernier monde, ça. En même temps, je voyais mal le monde de la neige genre, comme dernier niveau. Mais bon. Alors, save. Bon, ça fait même pas une heure encore, je pense. Donc, on va commencer le premier niveau, tranquille. Allez, c'est parti. Si on peut le passer, c'est bien. Waouh, waouh, waouh. Putain, mais. Je suis désolé, mais je suis bluffé encore une fois. Putain, mais c'est beau! Et la musique aussi, mais arrêtez, mais. Waouh! Mais je suis bluffé! Mais. Je le fais pas exprès! Je suis bluffé! C'est beau! Comment ils font ça? Là, il y a un passage là, non? Faut monter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi. Ah si, je vois un tonneau. Merde. Non. Il y avait un tonneau. Non, je sais pas, je comprends rien. Ouais, non mais regardez-moi ça.
Regardez ce graphisme. Cette musique, putain, attendez, je la connais même pas. Attendez, on va l'écouter un petit peu. Eh mais c'est magnifique! C'est magnifique ce qu'on entend là! Cette musique de dingue! Et vous savez quoi? Elle me fait un petit peu penser à une musique dans Sonic 3D qui était sorti sur Mega Drive. Et les musiques, à un moment, quand on est vers les derniers niveaux, dans le QG de Dr. Eggman, je sens que c'est par là, ouais, ou même dans le dernier monstre peut-être. Eh ben c'est, on a ce genre, on a ces types de musiques là. Un petit peu électro. Ouais, je sais pas encore comment bien définir ça. Alors, est-ce que ça nous sert à. Quoi, ça peut bien nous servir? Si, je pense que ça peut nous servir à rétablir de haut et ici. Ah non, bah non, je sais pas. Ah, mais attendez, est-ce qu'on peut les pousser Ah merde, bah d'accord, il a disparu. C'est pas grave. Non, j'aime beaucoup ces genres de musique, sincèrement. Allez, j'ai eu le. Ah, sauvegarde. Yes! Putain, mais... Je suis impressionné à chaque niveau que je fais dans ce jeu. C'est incroyable. Ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans qu'il est sorti. L'année prochaine, on va célébrer les 20 ans de Donkey Kong Country. Mais attendez, mais... 20 ans, quoi? C'est un tout petit peu moins que mon âge. Et je reste bluffé avec des jeux qui sont sortis... Attendez, mais je suis en train de dire une connerie, ça va être... Attendez... Si, c'est ça. Ouais, je reste encore bluffé avec des trucs de 94 qui ont autant d'années que ça. Putain. C'est beau, putain, mais la musique. Je suis soufflé. Allez, hop, parfait. Ouh, bien joué. Espèce de con, quoi. Putain, non. Bon, heureusement, j'avais un checkpoint pas loin. Ah non, j'adore. Qu'est-ce que c'est plaisant, n'empêche. Puis c'est plaisant à entendre, mais c'est plaisant à jouer aussi. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais... Pourquoi se priver de complimenter un jeu qui le mérite autant, sincèrement? Allez, vite. Voilà. Putain. Oh putain, non. Mais je fais n'importe quoi. Il suffit qu'il y en ait deux et ça y est, je fais n'importe quoi. Ah, un tonneau. Je sais pas quoi il va me servir. À rien apparemment. Ok, toi je t'esquive, c'est bon. Jusque là, ça va. Didi, il est là. Mon beau vieil ami. Oh putain. Oh, ils ont été gentils là aussi. Il me semblait qu'à un moment il allait en avoir deux d'affilée, ça se sentait. Oh là. Oh, il en lance deux d'un coup. Oh, trois. Oh, mais t'es un enfoiré, t'en avais lancé deux, maintenant t'en lances trois, quoi. En plus, c'est bientôt la fin, là, ça me ferait chier de me faire avoir. Oh putain. Il fait... Attendez. Il fait des petits... Ah ouais, regardez-moi là. Il en fait trois et après disparaît, ok. Je retiens. 1, 2, 3, là tu disparais. Ok. Oh putain. Est-ce que tu fais pareil toi? Est-ce que t'en fais 3? 1, 2, 3. Ok. 2. Non. Je vais pas tout de suite. 1, 2, 3. Oh non! Ah putain! Ah ouais, bien. Bien. Bah, j'ai été trop tôt. C'est pas grave. C'est pas un souci. Ouais, donc après ce niveau-là... Après ce niveau-là, on arrête pour cette vidéo-là. Hop. J'enchaîne bien. Je commence à m'y faire. C'est pas trop dur.
Donc c'est bien. Il faut de la technique. Il faut des compétences. Il faut pile les compétences qu'on a acquis tout au long du jeu. Donc c'est parfait, c'est un niveau parfait. Attends. Putain, il me fait pas des fails, c'est vrai celui-là. Hop. Lui, c'est bon. Ok. Jusque là, ça va. C'est lui qui commence à faire des... Non? Ah non. Ah d'accord. Bah tu vois, j'avais pas vu, c'est la première fois. Il y a le poteau qui gêne. Eh ouais, je me suis fait avoir. Eh ouais. Dommage. Alors là. Non? Ah non, pas lui. C'est bon. Oh putain! Allez, tiens, tu croyais m'avoir? Bon, alors c'est là où c'est chaud. C'est qu'à le dire. 2. Non. Ah non, 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 non. 1. 2. 3. J'y vais. Là. Non, non, j'y vais pas tout de suite. 1. 2. 3. Merde, non, 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 non. 1, 2, 3. J'y vais. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Je t'entends, Didi. T'es où, Didi? Mon petit Didi. Non? Bon, ben non. C'est la fin. Yes. Ça va. Je suis content de ma performance pour cette vidéo. Hein? Franchement. Mais je sais pas. Peut-être parce que c'était facile. Hein? Tout simplement. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre parce qu'habituellement. Habituellement. Bon, bah, on va s'arrêter ici. Hop, je me la pose. Ouais, habituellement, dans ces genres de jeux, enfin, dans les jeux habituels de plateforme, ça se complique au fur et à mesure. Ils reprennent un petit peu certaines techniques qu'on apprend au fur et à mesure pour les exploiter encore plus. Pour nous. En fait, voilà. Le principe d'un jeu de plateforme, c'est nous faire surmonter des épreuves. Et après, d'utiliser cette manière d'avoir surmonté les épreuves pour nous trouver des problèmes à ces solutions qu'on a trouvées. Je ne sais pas si vous me suivez là. On va trouver des solutions à des problèmes et les développeurs vont trouver des problèmes encore à ces solutions qu'on aura trouvées pour qu'on trouve d'autres solutions à trouver en plus des solutions qu'on avait déjà trouvées. Bon, ok, j'arrête là. J'arrête de vous brouiller pour le moment. On se retrouve quelques jours plus tard hein, pour la prochaine partie. Et on reparle de cette histoire de solution, d'accord hein. Non, non, non. Mais là, c'est vrai que ce jeu-là utilise cette manière-là de procéder. Mais en même temps, vous voyez, dans la neige, c'était quand même dur. Et là, ils allient un petit peu la difficulté avec, ben, je sais pas... Je sais pas vraiment, parce que c'est pas trop dur, mais c'est pas trop facile non plus. Mais ça reste agréable, ça reste intéressant. Parce que, déjà, les graphismes sont beaux, le level design est très bon. Donc en fait, là, c'est plus... J'ai l'impression que c'est moins de la difficulté extrême à surmonter, mais c'est plus du fun. Voilà, là, on a plus du fun. Je ressens vraiment le fun. Je le ressentais avant, mais... avec cet énorme challenge des tonneaux, c'était quand même bien accru. J'étais en tension quand même. Et ce que là, je suis pas tant en tension que là. Je trouve ça difficile, mais en même temps, j'y arrive bien et je trouve ça agréable à faire. Voilà. Donc, c'est un bon compromis. Ils le font bien. C'est très bien. Moi, j'ai aucune reproche à faire. Voilà. Bon allez, je vous laisse un petit peu vous reposer quelques petits jours et on remet ça pour la quatrième partie et peut-être... la dernière, je ne sais pas. En tout cas, je m'éclate bien sur ce jeu, ça me fait hyper plaisir de le faire. Et il me tarde de tâter le Donkey Kong Country Return de la Wii, parce que d'après ce que j'en ai vu, il est extrêmement bon aussi. Allez, à plus tard pour la prochaine vidéo. Retournez bien à vos occupations et ciao à tous.